la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse, en marchant à la lumière du Christ, croyez en lui de tout votre cœur, en lui répétant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Vincent et Gabriel, êtes-vous prêts à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Oui. Oui. Je suis prêt. Et vous qui accompagnez ces candidats et qui les préparez à l'Église, et vous tous aussi qui les entourez fraternellement, voulez-vous les aider à découvrir le Christ et à le suivre? Oui, nous le voulons. Père très bon, nous te rendons grâce pour tes amis Vincent et Gabriel, c'est toi qu'ils ont cherché sous ton inspiration avec ton aide, et c'est toi qu'ils ont répondu, à toi qu'ils ont répondu devant nous, en ce jour où tu les appelles. Voilà pourquoi, tous ensemble, nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Maintenant, Vincent et Gabriel, approchez avec ceux qui vous présentent pour recevoir le signe de votre nouvelle condition. Recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Maintenant, ceux qui les accompagnent, les signes également, vous signez. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, après les enfants du cœur, ils vont commencer à avancer. Pendant ce temps-là, nous allons chanter. Ils seront suivis des accompagnateurs des catéchumènes et les catéchumènes après eux. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec.